Et bonjour tout le monde, c'est le Mimi, c'est le Rara, c'est le miracle. On va reprendre le vélo. Aujourd'hui, je suis motivé. J'ai toujours pas la forme, mais pour m'aider, pour ceux qui ont suivi sur les réseaux, ben j'ai pu me prendre un petit VAE avec mon petit budget, j'ai réussi à en trouver un, et puis en espérant que ça me motive, parce que de toute façon sur le musculaire j'y arrivais pas, j'avais pas le moral, j'avais pas envie, voilà. Donc on va essayer là-dessus, et puis j'espère être vachement plus assidu et reprendre comme avant. Allez, ça part de là, on est au Bourrel et on attend les copains. Allez, on est parti. Les copains, ils sont là. À devant, on a les copains VAE. À deux ou trois quand même, hein, dans le groupe. Plus moi maintenant. Bon, pour l'instant, en écho. On va essayer de tenir le max en écho pour forcer et reprendre la forme tranquillement. Et puis, on va essayer de s'apprivoiser tous les deux. Je regarde tellement avec mon vélo que j'ai même pas pensé à allumer la vidéo. Bon, on est déjà dans une montée en écho, tranquille ou bilou. Ça force en écho quand même, mais au moins c'est ce qu'il faut. Tant que je peux, bah, en force, et puis après, quand je pourrai plus, on changera les modes. Par contre, le seul point qu'il faut que j'arrive à améliorer, c'est comme il est vachement lourd. Putain, c'est à un moment donné, il a fallu que je m'arrête, j'ai pas réussi à repartir parce que m'a embarqué sur le côté, quoi. Enfin, c'est un petit coup à reprendre. Enfin, c'est pas mal pour l'instant, tranquille. Enfin, on n'a pas fait beaucoup. Milieu de la montée, on est bien. Je suis en forme. J'ai suivi le groupe là aujourd'hui, je sais pas, je dois avoir un petit sursaut de forme. Moins dur que d'habitude. Malgré qu'en écho, j'essaye de rester en écho, malgré qu'en écho ça force quand même. Hein. Ouf. Ça va les copains. Allez, avec la mer en fond là-bas. Je sais pas si vous la voyez. La banane surtout. La banane. Mais là on est sur du plat. Je l'ai éteint. Comme ça on force un petit peu. J'espère que je vais pas me cramer. C'est la première fois. Je sais pas encore comment trop alterner, mais on verra bien. Le top. Je suis content. Vraiment, vraiment content. Allez, on a fini la première montée. On est sur la deuxième. Aujourd'hui j'arrive à suivre le groupe. Hein. Ça fait du bien au moral. Et après, je sais pas sur laquelle on va aller pour faire la première descente. On va voir ce que ça va donner parce que c'est lourd. C'est vachement lourd et je pense que ça va être fun dans la première descente. Ça va être rigolo. Allez, une belle petite montée. Bon, elle est pas technique, mais elle est raide. On va voir ce que ça donne là-dessus. On va voir si on arrive à la faire en écho. Pas trop falloir faire le coup parce que je commence déjà à avoir mal aux cuisses. Ouais, non, ça passera. Ça va passer tranquille. Ah, elle est passée, celle-là, de vitesse. Elle va aller mieux parce que de toute façon, j'en ai plus. Allez, on est en haut. Impeccable. Bon, on est encore en montée là. C'est une sortie qui fait qu'en monter. On n'a pas vu une descente. Bon, c'est pas grave. Je le vis bien là aujourd'hui. Allez, ma première descente. On va voir. Bon, celle-là, je n'apprécie pas trop. Elle est vachement pentue. En plus, il fallait que je rode les plaquettes. C'est pas une que je préfère. Là, tu me diras au moins les plaquettes elles seront, enfin les freins ils seront rodés. Hop.
pour le faire revenir, en fait, quand tu le penches, il est un peu plus lourd et il faut le remonter. Pas super à l'aise. Oh, j'ai déjà mal au bras. Oh, il tape un peu là. Bon, je trouve mes réglages. Hein. La deuxième partie. J'ai pas trop de bon sens derrière, mais je trouve qu'il rebondit un peu. Par contre, de suite, ça sent les plaquettes, hein, enculé. Pardon, le gros mot. Tu vois que le bouseur, il faut le. Il faut des freins là. Pour l'arrêter. Il crampe la cuisse et tout là. Oh, il va falloir que je fasse des abdos là pour tenir ce chose. Est-ce que je m'essaye là-dedans? On sait rien. Ah non, j'y arrive pas. Oh putain. Oh non, pas de... Oh, de la boue, voilà, il est tout sale. Hein. Oh. Allez, eh ben c'est fait la première. Allez, place à la remontada. Ça remonte, bon ben. Première descente, ça va. Après, c'est plus bizarre qu'avec celui à mon père, je trouve. Alors, peut-être que celui à mon père, c'était une plus petite taille. Donc il est peut-être un peu plus joueur et un peu moins lourd. Et là, quand tu penches pour le virage, il faut arriver à le remonter. Et de suite, j'ai eu le haut du dos, là. Enfin, les bras et les cuisses ont paf. Tu vois que j'ai pas de muscles. Faut le tenir le bourrin. Après faut que je trouve que je peaufine un peu les réglages de suspension parce que il rebondit un peu trop de derrière. Quand j'y ai mis 30% de sag, j'ai baissé un petit peu un petit cran de basse vitesse, on verra bien. A voir, à voir. Bon, on a fait que monter, maintenant on fait que descendre. Je vais passer le petit tronçon. Celle-là, elle va être sympa. Celle-là, on l'a fait d'habitude en montée. Là. C'est celle, la petite technique que je vous dis que j'aime bien faire en montée. J'ai baissé la tige. Ah, j'ai pas baissé la tige de celle. Je peaufine le réglage des suspensions. Peut-être un peu trop dur à l'avant encore. Aussi. Attends, c'est une 38, ça devrait être plus confortable qu'avant, je pense. En plus, j'ai 162 débattements, si je ne me trompe pas. Après on a David devant là-bas, donc c'est peut-être pour ça que ça ralentit un peu. Par contre j'ai de suite mal au mollet, c'est impressionnant. Single, tranquillou, bilou.
Ah. Bah écoute, je sais pas combien on a fait. C'est vrai qu'en VAE, tu te soucies pas du kilomètre que t'as fait. Pour l'instant, je suis bien. Bien, bien, bien. Et l'objectif du mode éco, il est pour l'instant il est atteint. Il n'est pas bougé de là-dessus. Ça fait que même en montée, ça va, ça force quand même. Bon, après, il va en rester encore des montées. Ah, le coin, il s'est éteint là. J'ai dû appuyer sur la poignée. Allez, dans les petits singles là. Qu'est-ce que c'est agréable de retrouver un petit peu les sentiers. Ça me fait du bien à la tête. De revoir les copains aussi, c'est top. Top, top, top. La seule chose qui me chagrine, là, c'est le dos. Là. Je commence vraiment à avoir mal. Ça y est, je commence à me coincer. Ouais, ça va. Mais bon, on va essayer de tenir. Ça sent. Je pense que quand j'arriverai à perdre un peu de poids, ça ira mieux. Avec 20 kg de plus, forcément, ça peut pas aller. Bon, enfin, ça fait plaisir. Allez, ça grimpouille, ça grimpouille. Ça va. Là, on se fait la montée des 10 cendres. Et après, il y aura celle de l'autre côté. Tranquillement. Les copains, alors, au moins j'arrive à suivre, je peux blaguer. C'est plus agréable que d'être à la ramasse 3 km derrière. Franchement, on est bien, bien, bien. Allez, on est toujours dans la première montée. En mode écho, là ça commence à piquer quand même les cuisses. Mais on va arriver au bout comme ça. On commence à être un peu essoufflé et avoir les cuisses qui gonflent. Mais écoute, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Je suis vraiment content. Après, il en reste une grosse derrière. Là, s'il faut un petit single de côté, je pense pas le faire parce que j'ai vraiment, vraiment mal au dos. Ça n'a rien que ce qu'on peut se bloquer totalement. Sinon, c'est reparti pour un tour. À plus rien faire. Donc, tranquillement et un bon feeling. Un bon move. Et bim, on est là. On est monté. Dur. Petit Jean-Louis. Deux bois. Voilà. Dur en écho là. J'ai laissé des cartouches. Ça a fait mal. Hein. On va voir, il reste encore une montée. Oh, mais la dernière, elle va commencer à être fatiguée là. Super, me régale, franchement. Top. Je sais que ça fait un moment que m'avait dit de le faire, mais j'avais pas les sous, et là ça tombe bien de devoir plus le faire. Allez, ça monte toujours. Je vais passer le petit morceau en DFCI. On va essayer d'aller se choper là. Celle qui descend dans le virage, un peu plus loin, quand on redescend un petit peu là. Et voir un petit peu ce que ça donne dessus. La dernière fois, j'étais un petit peu dans le dur dedans. Comme ça, ça fera un bon point de comparaison. Voilà, bah écoute, quand on aura fini celle-là de monter, on sera plus très loin de la fin. Allez, ben en haut, c'est bon, c'est fait. Un peu dur là sur le dernier kilomètre là, mais je vais. Je voulais pas sortir de mon objectif à rester sur écho, je suis resté dans ma tronche, mais au moins j'ai forcé. Ah, plus qu'à aller récupérer la descente. Voilà, je sais pas où ils sont, est parti, il n'y a personne qui a attendu, donc je vais me faire ma descente tranquille ou bilou. Et puis voilà, allez, on se retrouve à la descente. Allez, c'est parti pour la dernière descente. Putain, ça glisse. Tout à l'heure, je me mets au tas. Oh là là, j'ai l'avant qui est l'arrière qui a voulu passer devant. Et c'est vrai que tu as tendance à prendre vachement de vitesse là. On m'avait dit de faire gaffe, mais c'est vrai. Et pourtant, là, ça glisse, mais tu as des gros pneus. Hein. Bon, est-ce que je vais arriver à passer là?
Ouais, tant bien que mal. J'ai mis un petit pied à terre en passant quand même. Oh là là. Petit échec. Petites erreurs de pilotage. Ah, et on a retrouvé les copains. Oh putain, ça va. Seb, oh bien. Ah oui, là j'ai bien. Là ça a été. J'en ferai pas une de plus de descente, hein, j'ai les bras. C'est mieux quand même. Ça tape moins en descente là. Ah. Allez, top ici, c'est fini. Ouf, il n'y a plus qu'à dérouler jusqu'en bas maintenant. Ouf. Il va pas ? Ouais, il arrive. Ouais. Bon ben, une bonne petite sortie, hein. Je crois qu'on a fait une quarantaine de bornes. Le kiosque il bouffe un petit peu des kilomètres par rapport au Garmin et puis voilà. Eh ben, c'est pas si mal que ça, hein. Franchement je suis content de moi. Par contre un petit point noir de truc, c'est que le poids là, bon après en même temps j'ai pas de physique, il faut reprendre un petit peu des muscles, alors ça m'amplifie les douleurs de dos. Là, la fin de sortie ça a été compliqué. Quand t'as un dos en vrac, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, de bonnes sensations au guidon. Franchement, je pense qu'on va passer des très bons moments avec ce vélo. Ça va être que du bon. Et là, franchement, j'ai pris du plaisir aujourd'hui. J'ai pris vachement de plaisir de voir les copains, de m'amuser sur le vélo, de pas être à l'agonie malgré que je sois fatigué là parce que j'ai voulu rester en mode éco et forcé. Et je suis un petit peu entamé quand même à la fin de cette sortie. Je me dis que je pourrais pas faire toutes les sorties comme ça. Là, ça va que c'était quand même assez roulant. Et puis voilà, il n'y a que du bon. Et puis voilà, on va être plus régulier pour les vidéos. Fait plaisir de vous retrouver aussi en vidéo. Et puis voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Ciao tout le monde.